Journal de bord, journal de port, du 6 septembre 2017 après Jésus-Christ. C'est le bordel, c'est le gros bordel. C'est innommable, donc il y a des fils partout. Là, il y a mon ordi, ma guitare, un truc que j'ai pas fini. Donc, ça, c'est mon panneau électrique que je suis en train de faire. Ça commence à marcher. Mais il y a encore du boulot. Donc c'est vraiment le gros bordel. Il est bon pour la casse. Ouais, mais il fait du 0,5 au-dessus de la vitesse lumière. Ah, peut-être que ce coucou est moche à voir, mais il en a dans le ventre et c'est ce qui compte. J'ai apporté tout plein de petites modifications spéciales. Tatou, hein, avant de partir. Dans 10 ans, on verra cette vidéo, on verra plus. À la sauvage. Dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit. Il y a des méchants et des gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir des amis, c'est très utile. Alors, bienvenue à bord de Sabaïdé. Donc, on passe à Sabaïdé, voilà, à Saint-Tigeon. Là, on est avec Alex, qui se prépare pour le grand voyage, la grande traversée. Prépare, ouais. Voilà, et on se prépare tous pour partir. Voilà. Donc, tiens, filme dehors, comme ça au moins, tu verras la qualité dehors. C'est fantastique. Donc voilà le magnifique port de Tog avec le Bounty, notre résidence secondaire. Voilà le QG. Le QG. 20 septembre 2017. Donc on devait partir ce matin. Bon, le bateau est toujours un peu en vrac. C'est vraiment un départ à l'arrache, quoi. Et donc il pleuvait des trombes et c'était vraiment. Voilà le boat. J'ai rangé un peu, mais. Voilà, il y a plein de choses que j'ai pas. Ouais, je suis. Ça va être spartiate, quoi. Derrière, il y a Jacques et Anne. Bonne journée.
samedi 23 septembre, il est 9h10. Là, je quitte Saint-Florent. J'ai quitté mes amis qui devaient venir avec moi avec le deuxième bateau. En fait, finalement, ils ne peuvent pas venir. À cause du petit, à cause de manque de temps. Là, le pilote automatique marche, je suis content. C'est la première fois que j'ai un pilote automatique. J'ai l'impression d'être en vacances. Enfin bon, il faut rester vigilant, mais je ne peux pas l'utiliser tout le temps parce que j'ai un parc à batterie très faible. Mais voilà, il fonctionne, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que même si je vais continuer à boire, je peux compter sur lui. Voilà, donc pour l'instant, depuis Bastia, le bateau fonctionne bien. Voilà. Et là, on va arriver à la pointe de... Je sais pas comment elle s'appelle, mais juste derrière, il y a Salé. Voilà. C'est beau. La Corse. Donc, j'arrive à Île-Rousse à 12h30. J'appelle sur Canal 9 à la VHF. Et le gars me dit, il n'y a plus de place à l'intérieur du port, donc on peut vous amarrer sur ponton, mais à l'extérieur du port. Je dis, mais je me mets où? Il me dit, écoutez, la capitainerie rouvre à 2h. Bon, vous êtes plusieurs à bord pour vous amarrer. Je dis, non, je suis tout seul. Il dit, écoutez, mettez-vous où vous voulez, hein, où vous pouvez. Bref, j'ai galéré pour m'amarrer parce que bon, en marche arrière, mon bateau il fait ce qu'il veut. Et là, je reviens ce soir et mon feu de nav, mes feux de nav vert et rouge sont fracassés parce que évidemment, le port de commerce, donc les ferries, sont amarrés à 200 mètres vu que c'est un port minuscule, hein, et que je suis à l'extérieur du port. Et un truc improbable s'est passé. Le nez de mon bateau a dû taper le quai, alors que putain, pour le faire taper le quai avec force zéro au niveau de la météo aujourd'hui, il n'y a rien eu quoi. Mais bon, j'aurais dû m'en douter si j'avais été un marin plus aguerri, machin, compagnie. Je m'en suis pas douté, je pensais pas que... Mais bon, j'ai dû me prendre une vague de ferry dans la gueule, hein, vu qu'il passe à 50 mètres du bateau, et que j'y ai pas pensé. Demain c'est dimanche, à Île-Rousse, il n'y a pas de ship chandler, il n'y a pas de U-ship, il n'y a rien. Un peu mauvaise, hein, désolé. Donc voilà, demain je vais passer à Captainerie, je vais essayer de leur dire qu'ils vont me laisser un petit jour de plus. Hein. Les Datari feront l'affaire. Non, elles feront pas l'affaire. Les Datari feront l'affaire. Non, elles feront pas l'affaire. Non, mais tu te prends pour un Jedi ou quoi, faire des passes avec les mains comme ça? Je suis là, au milieu de l'eau. Il n'y a pas un pet de vent.
Bah, le truc, c'est que. Bah voilà quoi. Ils avaient prévu du Mans et il n'y a rien. Quoi. Et j'ai pas assez de gasoil pour aller là où je veux aller. Quoi. Vous voulez peut-être que je sorte pour pousser ? Capitaine Tolo. Pourquoi pas ? C'est la merde. Alors aujourd'hui, j'avais bien commencé. Il y avait du vent ce matin. Bon, je suis crevé, je dormais. J'ai dormi 2 heures cette nuit. Il y a quand même une bonne nouvelle, j'ai encore du rouge. J'ai encore mon kilo de rouge. Mon précieux ! J'avais décidé de ne pas prendre d'animaux de compagnie comme je suis plutôt solitaire et j'ai changé d'avis au dernier moment et j'ai pris un animal de compagnie quand même pour contrer la solitude et j'ai pris une mouche que j'ai appelée The Bee. Zobie la bouche, qui est là, mais elle est, qui est timide. Zobie, viens voir papa. Là, je peux t'en. Oui, voilà, donc, ouais. Ouais, donc, journal de bord du mercredi 27 septembre, donc changement de programme, hein, parce que j'ai un petit problème de GPS, de compas, enfin bref, je sais pas où je vais en fait. J'ai mon pilote automatique qui me donne un cap, j'ai mon GPS qui me donne un autre cap, et j'ai mon compas qui me donne encore un autre cap. Un compas qui n'indique pas le nord. Vous êtes sans nul doute le pirate le plus pitoyable dont on m'ait parlé. Au moins, on vous a parlé de moi. Donc là, mardi, j'ai dû naviguer, enfin j'étais crevé là, c'est là où j'ai pas dormi. Pas loin de 15 heures, quoi. Donc quelque chose de normal, quoi. Donc, non, merde. Mardi. Lundi ou mardi ? Bon, lundi, on va dire. Voilà, ouais, lundi. Il faut que je rectifie. Lundi, voilà, ce que j'ai fait lundi. Mardi, j'ai pas beaucoup navigué. Ça, c'est ma route présumée. Hein, voilà, c'est ma route présumée. Regardez déjà le décalage, là, en l'espace de 15 heures de navigation, quoi. 10 degrés, ça a l'air de rien, comme ça, mais bon, au bout de 15 heures de navigation, ça fait ça, quoi. J'ai décidé de descendre un peu quand je m'en suis rendu compte donc hier, donc mardi, donc ça c'est lundi. Donc j'ai décidé de descendre un petit peu, de modifier de 5 degrés pour récupérer de 5 degrés et j'ai fait ça. J'ai moins navigué parce que là je commençais vraiment, j'étais vraiment crevé là. Donc et puis il n'y avait pas de vent, je voulais économiser le gasoil. Bref, ça c'était hier. Je me mets à la cape. Donc j'ai pris mon point ce matin avant de redémarrer pour voir la dérive en fait. Donc apparemment j'ai fait ça. Hein. Je vais presque plus vite en dérivant qu'en naviguant. Hein. Voilà. Et là ce matin je me suis dit faut que j'atteigne le point de non-retour. Je me suis dit, je trace, même s'il ne me reste plus beaucoup de gasoil, je trace le plus loin possible. Donc voilà mon départ, ce matin à 9h. Cela dit, je faisais du 5,5 nœuds, ce qui est pas mal quand même. Et voilà, à 13h, mon point. C'est minuscule, donc je ne comprends plus rien. Donc du coup à 14h j'ai décidé de revenir sur la Sardaigne, hein, parce que là il y a un truc que j'ai pas capté, quoi. Voilà, je pense que je me mettrai à la cape ce soir parce que je vais pas y arriver aujourd'hui, quoi. Il va falloir s'arrêter quelque part pour avitailler et réparer le vaisseau. Là, maître, Tatooine. Donc voilà, pour moi c'est le triangle des Bermudes là, je m'en sors pas, je comprends pas, j'utilise tout mon gasoil, bon, évidemment il y a pétrole, hein, voilà, ça c'est la Méditerranée, et puis je vais me prendre une tempête dans la gueule avant la fin, je le sens, parce que la Méditerranée c'est où il y a pétrole, où il y a fonce neuf, voilà.
Et voilà quoi. Donc là, j'ai arrêté un peu le moteur pour le faire reposer. Le moteur refroidir un peu parce que j'aime pas trop le pousser. Ah, il est là le pauvre. C'est vraiment le moteur. Ouais. Ah, il est encore chaud. Ah oui, dernier truc. Ouais. Parce que là, ça m'énerve quand même. Ouais, petit message. Non. Jean Cras. Cette règle de merde. Sans déconner, il y a un truc qui s'appelle le compas breton. Moi j'avais appris avec ça à l'époque. C'était un truc, tu mets ton machin comme ça là. Ah, tu vois, comme ça là. Bah, sur un méridien ou sur un. Enfin le machin tout droit là. Et là tu avais un rond d'école d'écolier quoi, avec, qui part de zéro. Et là, tu as ton trait quoi. Hein? Et puis ça tombe forcément dessus à un moment. Et il y a un mec qui s'appelle Jean Cras, il a inventé une règle. Alors, il faut choisir la route de la truc machin en prenant le point machin. Non, mais t'imagines, regarde ça là. Là, t'imagines le mec qui a fait 10 heures de nav, il est 2 heures du mat, il a sa petite lumière rouge. Et là, il faut qu'il choisisse le truc qui va droit. Non, mais sans déconner, t'avais que ça à foutre, Jean Cras quoi. Et en plus, il paraît que t'as fait de la musique. Putain, si tes musiques elles sont aussi pourries que ta règle. Bon, je suis un peu énervé là. J'ai fait 3 heures de voile, je suis parti. De voile, de vraie voile, de voile pour avancer, je veux dire. De voile qui avance, pas de voile pour dire j'ai sorti de voile. J'ai 3 heures où vraiment ça a avancé comme au moteur. Comme au moteur, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc moi, je. Voilà, c'est comme ça, voilà. D'aventure, je n'irai pas par là.